Quand on s'est rencontrés, c'était juste pour un coup de soir. Je n'ai jamais imaginé que tu pouvais être un jour ma femme. Les gens disaient que tu étais une bouclée. Donc je voulais goûter, c'est d'en goûter, je suis restée. Hey, bébé, oh mon bébé. Quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à manger. Bébé, oh mon bébé. Quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à dormir. Oh, j'ai la maladie là. J'ai la maladie là-haut. J'ai la maladie là. J'ai la maladie là-haut. Faut pas prendre crédit quand tu sais que tu peux pas payer. Côté Moganini, Mogabe, Konini, Tagayelema. C'est que tu n'as pas encore vu. Faut pas dire que ça n'existe pas, oh. Sinon, moi, c'est quel garçon je n'ai jamais dragué. C'est quel DG je n'ai jamais coupé. C'est quel abogaï je n'ai jamais. Tu es mon terminus, bébé, oh, mon bébé. Quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à manger. Bébé, oh mon bébé. Quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à dormir. Oh, j'ai la maladie là. On se prend pour le jingle. Tu sais, tout dépend de toi. Tu n'as qu'à le dire et je serai là. Yo la famille, c'est votre MC Vité Eritor, j'espère que vous êtes en jaillet. Vous voyez que Eritor chante pas mal, hein. Je vous ai promis beaucoup de choses. Et c'est bizarre, tout est déjà prêt. Mais je suis en train de juste trouver le bon moment avant de lancer quelque chose que vous allez apprécier. Ne vous inquiétez même pas. J'ai promis beaucoup de choses et tout ce que je promets, je fais. Voilà. J'ai commencé la vidéo avec ce morceau d'Emmanuel Diesel, Maladie d'amour, parce que désormais, Eritor a envie de s'intéresser aux Zouglou. Parce que quand je parle de la musique ivoirienne, certes, il y a le coupé décalé, mais il y a aussi le Zouglou et le hip-hop et consorts. Mais franchement, je suis un gros adepte aussi du Zouglou. Voilà. Surtout, je vais vous parler de Maladie Diesel parce que, mine de rien, c'est un groupe à féliciter. C'est un groupe à féliciter. Franchement, je vous l'ai dit. Pour petite anecdote, je me rappelle, je ne sais pas l'émission, je crois que c'était sur la 2. C'est l'émission de Mohamed Kanté, je ne me rappelle pas trop. Où les mecs disaient comme ça qu'ils sont venus en roro. Je crois que c'était en 2017, si je ne me trompe pas. Ou début 2018 même. En 2017 ou 2018. Ça m'a fait un pincement au cœur parce que mine de rien, ils avaient un morceau qui cartonnait bien. Vous connaissez bien le morceau ça là. Donc quand j'ai entendu ça, ça m'a fait vraiment vraiment mal au cœur. Mais j'ai dit ceux-là, ils sont super forts. Et je sais que s'ils persistent, s'ils insistent vraiment dans leur travail, ça va payer. Et Dieu merci, actuellement, où je suis en train de vous parler en Côte d'Ivoire ici, le groupe Zouglou du moment. Voilà, j'ai pas dit le groupe le plus fort des Zougloumans, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit le groupe Zouglou du moment, il n'y a pas deux, c'est Magic Diesel. Ceux qui pensent que je suis en train de mentir, allez écouter l'album. Vous avez écouté, alors Gagnon, vous êtes en jaillet. Vous avez écouté Malisa, vous êtes en jaillet. Oh, il y a des titres plus dangereux que ça sur l'album. Franchement, je vous mens pas, hein. Voilà, je parle d'aujourd'hui parce que mine de rien, c'est des gars qui ont vraiment insisté, 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 insisté. Ils ont vraiment travaillé dur. Ils ont vraiment travaillé dur. Parce que comme j'ai vu ça, il y a un qui a dit qu'il est descendu en Baka, il y a un autre qui a dit qu'il est venu en Warren. Ils se sont donné rendez-vous là pour monter sur l'animateur et tout. Ça m'a fait vraiment un pincement au cœur. Mais aujourd'hui, je suis fier de le voir aujourd'hui rempli. Le Dogfell a réuni plus de 2500 personnes. C'est du jamais vu en Europe, franchement, pour un groupe Zouglou de cette petite envergure là. Voilà, c'est vrai qu'un groupe Zouglou, c'est un groupe Zouglou. Je vous ai dit, c'est un petit groupe Zouglou qui est en train de monter en puissance. Et ce qui me plaît, en Côte d'Ivoire ici, on va dire les blancs sont cool. Hein. C'est-à-dire, on te donne ton temps. Il y a eu le temps de Yabongo où on l'a bien lancé. C'est pas que Yabongo n'est plus Yabongo, il reste toujours Yabongo. Mais il y a toujours un nouveau groupe Zouglou qu'on essaie de mettre en avant. Après Yabongo, on a bien vu les révolutions et tout ça qui ont cartonné, cartonné, cartonné. Si vous vous rappelez bien, si vous êtes d'accord avec moi, hein, vous voyez bien que la logique, elle est logique. Après Révolution, les leaders, parce que les leaders, c'est un groupe qui ont vraiment, vraiment bataillé, qui ont vraiment crêché aujourd'hui, ça paye. Moi, j'en suis fier. Et désormais, je parle Zouglou. Voilà. Donc, tous les adeptes du Zouglou, partagez cette vidéo-là pour que les membres du Zouglou sachent qu'il y a un gars qui s'appelle Eritor, bien qu'il est coupé, décalé, il s'intéresse aussi désormais des Zouglous. Donc vous aurez aussi souvent des infos Zouglou à ne pas manquer sur ma chaîne. Voilà. Donc juste après les leaders, aujourd'hui Dieu fait grâce, Magic Diesel. Et franchement, l'album de Magic Diesel, c'est du lourd. Arrangé par Baby Philippe. Franchement, il faut reconnaître,
qu'on le veuille ou pas, Baby Philippe, c'est un fusée de star. Dieu lui a donné ça. Voilà. Quand il dit fabrique le numéro 1 de lui, on ne voulait pas, c'est la vérité. Est-ce que vous savez que Baby Philippe, je vous parle actuellement là, depuis, bon, je vais prendre les deux dernières années, 2018, 2019, mais 2017, 2000, il représente au moins 60% des hits ivoiriens, au moins, sinon plus. Et personne ne peut discuter avec moi. C'est vrai que le Magic du Sel, ce sont de très beaux chanteurs. Le livre vocal, il est prêt. Le sous-livre vocal aussi, il est prêt. Mais il faut dire que c'est la touche Baby Philippe qui fait, qui marque toute la différence, quoi. Franchement, quand vous écoutez par exemple le morceau dans son interprète, ce que j'ai interprété en début de vidéo, là, vous savez que Baby Philippe, c'est un génie. Voilà, c'est un gros génie. On peut pas lui enlever ça. Donc, Magic du Sel, franchement, moi, je suis devenu fan de vous depuis votre dernier album, là, franchement. Surtout mon coup de cœur, c'est Maladie d'amour. C'est Maladie d'amour, comme j'ai dit. En début de vidéo, là, que c'est vrai que vous avez des titres qui sont très intéressants comme Maladie d'amour, mais comme vous ne les avez pas encore dévoilés, moi, de Allons à Gaïoa, votre morceau un peu terroir, un peu rara façon, là, c'est très intéressant. Il y a même l'humoriste Boukari qui l'a interprété une fois dans ses directs. Mais moi, c'est Maladie d'amour. J'ai la maladie là, j'ai la maladie là-haut. Quand on met ça en boîte, franchement, tu es aux anges, quoi, tu es heureux, le son t'emporte. Et ça, c'est Baby Philippe qui fait ça. Voilà. Donc c'était un peu ça, la petite partie, la petite capsule Magic Diesel. On revient maintenant avec des choses sérieuses sur le cas Ariel Chiné. Voilà les amis, vous savez, hein, vous savez, Ariel Chiné a annoncé, annoncé, annoncé son prochain titre ici, parce qu'il faut savoir que Irito est l'une des personnes, l'un des médias aussi qui a acculé ce jeune-là, comme quoi il est en train de dormir sur ses lauriers, qu'il devait se réveiller et tout. Et Dieu merci, le jeune a entendu nos cris de Méloman et il a annoncé comme ça un tube dénommé Amina. Voilà, qu'il avait même annoncé hier dans une vidéo qui est encore en ligne. Mais, franchement, les amis, je ne suis pas content. Vous savez pourquoi je ne suis pas content? Le mec ne va pas passer tout son temps en train de préparer une grosse bombe comme ça. Et puis, il y a des personnes qui sont là. Je ne sais pas s'ils ont signé un pacte avec le diable, qui n'arrivent pas à faire de bien autour d'eux, mais franchement, ils vont télécharger le son du petit et aller le mettre gratuitement sur YouTube. Pendant que le mec même en train de se démerder pour pouvoir mettre son son même sur sa chaîne. Parce qu'actuellement, il y a un petit bobo entre sa chaîne et son compte Vevo et tout ça. Quand même. C'est pas intéressant. Il y a plus de 10 chaînes YouTube qui ont déjà mis Amina derrière Géné en ligne. C'est pas joli à voir. Je sais pas ce qui vous anime, mais franchement, essayez de vous revoir. Hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a une malédiction qui vous suit, quoi. Je veux pas concevoir que moi, j'ai un ami là qui se démerde à réfléchir, à produire une œuvre d'esprit. Et puis, il vient la mettre comme ça. Ou bien il annonce même. Et puis, vous le devancez. Comme quoi vous voulez avoir l'exclusivité. Et puis c'est quoi? Vous gagnez rien en fait. C'est tout ce que vous mettez sur votre truc là. Tous les revenus vont repartir chez Ariel Chiné. Mais en fait, vous ralentissez l'effet que le morceau devra faire avec sa chaîne. C'est ce que je veux dire en fait. C'est pas intéressant comme ça. Arrêtez ça un peu. Je vais faire combien de vidéos maintenant pour vous parler de ça? On vous parle de ça, mais vous continuez. On vous parle de ça, mais vous continuez. Arrêtez. Qu'est-ce que vous gagnez? Rien. C'est vraiment pathétique, hein? C'est vraiment pathétique. Et comme, bon, les internautes que nous sommes, quand on voit un truc qu'on a attendu, on est obligé d'aller cliquer, au moins pour aller écouter. Mais franchement, je pense que ce sont des chaînes à signaler et puis ce sont des trucs à des morceaux à retirer. C'est pas intéressant. Vous l'avez fait avec des Bordeaux, vous l'avez fait même avec Victor de Kérosène. C'est-à-dire, vous prenez mal plaisir à le faire, quoi. Même DJ Arafat, son dernier album, tout l'album est sur YouTube. Franchement, qu'est-ce que vous recherchez? Ils n'ont qu'à dire quoi? Vous êtes les super boycotteurs ou bien vous avez l'art de boycotter ou bien moi, je comprends pas. Moi, je trouve que c'est ridicule. Vous n'avez même pas besoin de faire ça pour exister, en fait. Voilà, le mec va pas rester là en train de réfléchir, 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 réfléchir. Venez vous donner quelque chose, vous allez l'encourager en venant regarder ça sur sa chaîne et partager pour que pendant que c'est sur les plateformes payantes, vous partez acheter, vous partez acheter, ou bien je sais pas comment vous faites pour avoir le son. Vous mettez ça comme ça, de façon, comment il passe à deux, mais je vais dire comme ça facilement quoi. Du genre, arrête de réfléchir, on s'en fout, hein? On s'en fout, on a donné ton son pour avoir les abonnés. Parce que tout ce que vous recherchez, c'est que les abonnés et les vues. Il y a nous comme ça, quand on a commencé sur YouTube, on n'avait pas d'abonnés, on n'avait pas de vues. On a commencé petit, 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 petit. Il y a des vidéos qu'on a supprimées. Parce qu'on ne décollait pas. Mais un peu avec insistance, Dieu a fait grâce. Il y a des personnes qui nous suivent aujourd'hui, il y a des personnes qui écoutent ce qu'on dit maintenant, il y a des personnes qui se ressentent dans ce qu'on fait. C'est pourquoi on fait des vues, c'est pourquoi on a beaucoup d'abonnés. Si moi j'ai dépassé les 50 000 abonnés, c'est pas parce que je fais magie. C'est un peu, c'est un travail de longue haleine. Faut essayer de réfléchir. Là, il sait que tes parents t'ont donné quelque chose, un héritage. Tu n'es pas fou, tu n'es pas bête. Réfléchis avec ça pour créer un contenu sur ta page. Mais viens parler comme nous. Viens donner des informations, viens réagir à des choses qui peuvent aider, des choses qui ne sont pas bien. Viens regarder. En tout cas, essaie d'exister, mais pas en piratant un morceau ou bien un album d'un artiste. C'est ça, moi je pense que Dieu ne va pas vraiment tolérer ça. C'est méchant, c'est très méchant de votre part. Et puis il faut changer ça.
Il faut changer sa mentalité là parce que nos artistes ont besoin de nous. Voilà. Ariel Chiné a fait un bon bouton avant de faire sortir un single. S'il doit, il a fait sortir enfin ce single-là. On doit tous l'encourager que de le pirater et mettre ça gratuitement de manière désordonnée comme ça sur le web. C'est pas intéressant du tout. Franchement, ayez pitié un peu. Voilà. On peut comprendre que y a de la rivalité entre Beno et DJ Rafat. Dans DJ Rafat et Bordeaux. Donc chacun des fans veut boycotter son ami. Mais bon, un enfant comme ça, bon, on ne peut pas dire un enfant, mais un jeune tranquille dans son coin qui a fait sa carrière, sa petite carrière musicale, sans bruit, sans problème, vous vous sentez obligé de le boycotter. Et c'est quoi votre satisfaction à la fin? Rien! Rien du tout. Parce que vous n'allez rien gagner. Voilà. Bien au contraire, vous péchez. Et puis vous êtes en train de nuire à un homme, à une famille et à beaucoup de choses derrière. Franchement, j'espère que vous avez compris cette vidéo-là et vous avez essayé de changer votre comportement. C'est tout ce que j'avais à dire. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao les amis.